Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de construction sur Minecraft comme on en fait d'habitude. Cette fois-ci d'une grosse villa sur Minecraft, une villa moderne de luxe comme tu peux le voir, avec une espèce d'escalier central en vitre complètement swag. Alors je te montre vite fait l'intérieur. Hop! Tu vois, tout en tournicotis là qui s'enroule le long d'une espèce de grande tour vitrée en rond comme ça pour aller au premier étage de la maison. Si ça c'est pas swag, honnêtement. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, on fait plein de tutoriels comme ça aussi de construction sur Minecraft tout le temps. Voilà, donc des maisons en forme de tête de creeper pour les plus simples, avec peut-être d'autres structures un peu différentes. Voilà, ou des maisons, ou des tutos de décoration aussi. Si jamais ça t'intéresse, on fait des mini-maisons, des fontaines, tout ça. Tout ça sur ce, voilà, n'hésite pas à t'abonner et aussi à mettre ce que tu voudrais voir en tutoriel aussi dans les prochaines vidéos en commentaire. Voilà, il y a mis un petit commentaire voilà en dessous la vidéo, mets tes idées avec plaisir. Donc du coup, pour réaliser cette maison là sur Minecraft, on va devoir passer juste à côté là, et je vais vous donner toutes les dimensions de tous les trucs à faire. Honnêtement, c'est pas compliqué, pas du tout même, c'est fait pour. Et on va en premier lieu prendre les blocs de béton blanc. Les blocs de béton blanc, si tant est que je les retrouve. Voilà, White Concrete. Je rappelle aussi, mon pack de textures est en téléchargement dans la description de la vidéo. On va prendre aussi tout de suite les blocs de bois de sapin. Comme ça, les planches de bois de sapin. D'accord. Et on va aussi prendre les demi-blocs de quartz. Ainsi que les blocs de vitre bleu. Clair, voilà, donc les blue stain comme ça, vitre bleu clair. Ok, une fois qu'on a pris ces blocs là, on va prendre notre bloc de béton et on va venir sur le sol faire en fait la première partie de la maison qui est au niveau du sol, celle qui est là-bas, et on va venir faire 10 blocs sur de longueur comme ça, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien, on va faire un rectangle en fait et on va aller dans ce sens là sur 30 blocs de longueur, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 27, 28, 29, 30, voilà, sur 30 blocs de longueur, et après on comble notre rectangle, hop, comme ça, hop, et normalement on arrive pile en face, ouais c'est bon, voilà, donc on fait un rectangle comme ça sur le sol. On va faire un autre rectangle exactement le même à 3 blocs au-dessus, d'accord, donc on va venir prendre comme ça le coin ou n'importe quel côté, et venir mettre 3 blocs comme ça de hauteur, et à partir du quatrième bloc on refait exactement la même chose. Voilà, donc il y a 3 blocs entre les deux, hein. Hop, on refait la même chose par dessus. Alors une fois qu'on a fait ça, on va prendre le coin à l'arrière à droite de notre rectangle, d'accord, donc là mettons que là c'est le sol devant de la maison, on va au coin arrière droit, ok. On va venir ici, du coup on compte 1, 2, 3, 4 blocs, à partir du cinquième on en met 2 comme ça, d'accord. Une fois qu'on en a mis 2 comme ça, on va de ce côté-là, on en met 12 sur la longueur comme ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien, on remet ici. Et en fait, ça va être notre repère pour faire la deuxième partie de la maison, qui est la grande partie, hein, la partie tout en longueur comme ça. Et donc, à partir de cette dernière barre ici qu'on a mis là, on va aller jusqu'à 49 blocs vers là-bas. C'est-à-dire 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 46, 47, 48, 49, 50, voilà. Et donc on va aller, c'est 49, on va aller comme ça, 49 blocs de longueur. Et on recompte 12 ici évidemment, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, très bien. Et on revient dans l'autre sens pour faire notre premier pavé. Hop, allez, je recolle au truc, paf, ici. Ok, on va faire le petit hop, et voilà, donc là on a vraiment notre première partie de maison, la première partie de la structure. L'idée c'est qu'on va venir mettre, en partant de là, on va venir remplir toute la surface, vous voyez qu'il y a entre les deux rectangles ici qui ont été croisés, toute la surface ici, on va la remplir de blocs de béton, comme ça, blanc, comme ça sur toute la surface, d'accord, on fait ça rapidement. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir en dessous, vous voyez, à ce niveau là, et on va mettre comment dire, j'allais dire du sable, mais c'est pas du sable, c'est du bois, voilà, tout simplement, des planches de bois qu'on va mettre au niveau du sol comme ça ici, à l'intérieur de notre premier cercle, enfin de premier rectangle.
Ok, donc voilà, ça c'est déjà fait. Alors, on va revenir par-dessus ici, vous voyez, sur la longue partie qu'on a mis ici, et on va venir la compléter, c'est-à-dire qu'on va venir prendre exactement la même plateforme, on va la mettre à 4 blocs au-dessus. Vous voyez, donc on va compter 1, 2, 3, 4, donc ça va être les blocs d'espace, et à partir du 5e bloc, on va refaire toute la plateforme qu'on a mis ici, ok? Sauf qu'on va faire juste les contours, parce que va y avoir... comme vous voyez sur le modèle que j'ai fait, tout un toit végétalisé et donc en herbe, et donc du coup il va falloir laisser toute cette partie là creuse en fait. Donc on va faire que les contours véritablement de notre plateforme. Ok, donc ici comme ça on fait tous les contours. Voilà. Alors il faut vraiment laisser ça complètement creux à l'intérieur, même si pour l'instant ça fait bizarre, mais ça va nous servir pour plus tard en fait. Donc voilà, on laisse ça comme ça. On va tout de suite mettre en fait les blocs de quartz, les demi-blocs de quartz, comme ça au moins ça sera fait, et après on pourra faire tout le reste facilement. Hop, donc les blocs de quartz, on va venir les mettre sur notre partie ici, vous voyez, sur toute cette plateforme là. On va les mettre sur le bas ici comme ça, ok? Hop, et on va faire vraiment tout le tour avec ces demi-blocs là, c'est-à-dire voilà, on suit à ce niveau là aussi, pouf, ok, et on suit vraiment, on fait tout le tour de la maison avec, hop, comme ça, etc, etc, hop, vous voyez, donc voilà, on fait un truc comme ça qui fait tout le tour du bâtiment. On va faire du coup la même chose au niveau du dessus, au niveau de la partie creuse qu'on a mis ici, sauf qu'on va mettre les demi-blocs sur la partie haute, vous voyez, des blocs ici comme ça. Et pareil, on va faire tout le contour comme ça de notre rectangle. Hop, ok, voilà, donc on va prendre nos blocs de bois de sapin comme ça maintenant, paf, et on va venir les mettre directement en dessous, vous voyez, à ce niveau là, et on va venir faire les murs directos. Donc les murs, on va mettre des grands panneaux comme ça par exemple de bois, hop, que l'on va mettre ici en fond par exemple de forme, hein, par exemple à ce niveau là on va mettre un mur ici, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs, et donc voilà, les murs on les met derrière les blocs de béton, hein. Et on va venir en mettre un autre ici en laissant 4 blocs de marge. Pourquoi 4 blocs? C'est pour avoir 2 blocs au milieu pour pouvoir faire l'entrée du bâtiment. Voilà. Alors, à ce niveau là, on va prendre ce bloc là, on va compter 2, 3, 4, 5, 6, ok. Puis après, on laisse 2, 3, 4, 5, 6 blocs sans rien. On remet 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs avec, avec des blocs de bois. Et on en met sur tout l'arrière ici. Ok, donc la même chose de l'autre côté, hein, paf, 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 paf. Et là, vous l'aurez compris, ce sont les repères pour faire les murs, tout simplement. Donc ces parties-là, on va les monter tout jusqu'au plafond. Hop, comme ça, les unes après les autres. Hop, ok, voilà ce que ça donne. Alors évidemment, on va mettre aussi... hop, la partie ici ouverte pour pouvoir avoir la deuxième, une deuxième ouverture en fait, une deuxième vitre, à ce, enfin une vitre, non une deuxième entrée pardon, à ce niveau là. Alors on va continuer un peu le toit en fait, vous voyez, donc comme ça au moins ce sera fait. Et après on va directement faire la verrière en fait après ça. Donc le toit, voilà, comme vous le voyez sur le modèle, il y a 3 blocs de marge avec les demi-blocs ici. Et après ça c'est que de l'herbe, donc l'idée c'est qu'on va refaire ça du coup sur notre sur ce qu'on est en train de faire, ça serait plutôt pas mal. Hop, et donc l'idée c'est qu'on va rajouter une couche de blocs de béton à ce niveau là, hop, voilà, pour faire le tour au niveau de l'intérieur, hein, du coup de notre toit. Pouf, ici comme ça on tourne, hop, voilà. Ok, une fois qu'on a ça, on va tout simplement recouvrir tout le centre là du trou avec de l'herbe. Voilà, avec des blocs d'herbe, tranquillou, paf paf paf, comme ça, sur toute la surface. Voilà donc ce que ça donne, hein, tranquillou. Maintenant, on va faire la grande verrière principale pour faire l'escalier qui pue la classe quand même, hein, l'escalier qui pue la classe. Et donc, on va prendre notre coin ici à ce niveau là, vous voyez, on va compter 1, 2, 3 blocs, à partir du quatrième bloc, donc de demi-bloc, hein, on va au niveau du sol et on en met un. On met un bloc de verre bleu, comme on avait pris au début, hein, et on va partir de ce repère-là pour faire un rond, ok, qui va être à ce niveau-là. Donc il va falloir juste suivre les dimensions. À partir de ce bloc-là, on en met 3 à l'arrière, très bien. Par devant, on en met 2, comme ça, sur la diagonale, 1 en diagonale, puis 2 comme ça, ok. Et là, on remet 4.
Et après, on répète ce même format là pour faire un rond entier. Donc on en met 2, puis 1, puis 2 comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok. 2, 1, 2. Hop. 4. 2, 1 et 2. Voilà. Et normalement, avec ce rond là, on a la place pour faire un escalier vraiment badass, vraiment stylé comme on en aime, comme on les aime bien. Et donc, du coup, l'idée c'est qu'on va venir monter ce bloc là cette vitre là jusqu'à hop 2 blocs au-dessus du toit, histoire que ça dépasse légèrement du toit hein, comme vous pouvez le voir sur le modèle, et que ça rende bien classe quoi. Tu vois vraiment que ça fait le truc, l'entrée principale qui pète le luxe, et puis voilà quoi. Donc l'idée voilà, c'est qu'on va venir monter tout ça, ok, jusqu'à 12 blocs de hauteur. Ok, et on va les faire passer au travers aussi de notre maison. C'est-à-dire que toute la partie de la maison qui est prise dans le cercle ici va être coupée. On va couper la maison qui va être dedans. Par exemple, ici comme ça, voilà, on enlève ça aussi. Hop, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, hop, et normalement je retombe sur mes pieds. Toute cette partie-là est comme au mur, enfin au niveau du plafond, ça va être la même chose. Hop, paf, 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 1, 2, 3, 4, ok, 2, 1, hop, comme ça. Donc toutes ces parties-là et la partie du dessous, pareil, on va l'enlever. Paf, voilà ce que ça donne. Alors, du coup, on monte tout notre cercle ici à la hauteur de 12 blocs de hauteur. Normalement, c'est 12 blocs si je dis pas de conneries. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà la bête. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir à l'intérieur de notre cylindre à ce niveau-là et on va remplir les coins. Vous voyez, entre deux parties, là, bah, y a des coins et on va mettre des blocs dedans pour que ce soit plus joli, plus esthétique. Hop, 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 hop. Pop, 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 et on va venir mettre par-dessus ça une sorte de dôme, c'est-à-dire qu'on va venir mettre toute la couche, vous voyez, toute l'espèce de rond qu'il y a à ce niveau-là, on va le remplir de verre, mais à un bloc au-dessus, un bloc en hauteur par-dessus ça, hop, et on le remplit complètement. Hop, je fais ça rapido, on fait le tour déjà, et après on va remplir la surface à l'intérieur. Hop. Donc bah voilà ce que ça donne. Alors une fois qu'on a ça, du coup on va pouvoir remagnifier un petit peu le toit, c'est à dire qu'on va venir au niveau du toit et on va reprendre nos blocs de béton comme ça. Hop, et on aura vraiment fini le toit après ça, c'est à dire qu'on va reprendre aussi de la poudre d'os pour faire pousser un peu les choses sur le toit. Mais sinon voilà, l'idée c'est que aux alentours de notre verrière comme ça, eh bien il y a directement de l'herbe, et ça c'est pas bien parce que regardez, quand on est au niveau de l'intérieur d'ailleurs, voilà, on en profite pour faire l'entrée directement, on fait une entrée ici sur 3 blocs de hauteur. Au niveau de l'intérieur, vous voyez, on voit toute la terre ici à ce niveau-là. Donc c'est pas très joli quand on est à l'intérieur de la verrière pour l'escalier. Donc l'idée c'est qu'on va venir mettre toute une ligne comme ça de blocs de béton qui va venir coller à la verrière comme ça, paf paf, vous voyez, tout simplement. Comme ça, juste pour faire plus joli, plus esthétique, parce que quand même on est sur une maison de luxe, il faut savoir se faire plaisir. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va quand même mettre les murs, parce que c'est vrai que quand on regarde la maison comme ça, ben, il n'y a pas grand-chose qui soutient à ce niveau-là. L'idée, du coup, c'est qu'on va venir hop, laisser un bloc de béton ici, comme ça, sur la longueur de marge, partout autour de la maison. Et on va venir commencer à mettre les blocs de murs, du coup, à ce niveau-là. Donc voilà, sur toute la longueur à ce niveau-là, toute la largeur ici. L'idée, c'est que je vais mettre les patterns des murs au sol, comme ça, on voit un peu où est-ce qu'on en est. Hop, à ce niveau-là, du coup... Ah tiens, j'ai débordé d'un bloc par là-bas. Ah. Bon, normalement, sur cette longueur-là, il y a un bloc de moins que ce que j'en ai moi. Mais bon, pire, tant pis. Hop. Voilà, donc on va mettre une ligne à ce niveau-là ici aussi. On va juste mettre deux blocs de marge à ce niveau-là pour avoir une petite fenêtre ici. Alors ici, sur la longueur, on va tout boucher. Hop, déjà, sauf que à ce niveau-là, vous voyez, eh bien, il y a la place de mettre une terrasse. Donc, du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. On va mettre une terrasse à ce niveau-là. Et donc, bah, pour avoir une terrasse, il faut avoir une ouverture. Donc, on laisse deux blocs à ce niveau-là de libre. Alors, du coup, on va aller dans le prolongement ici. On fait la même chose que de l'autre côté.
Ok. Sauf que on va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de marge. Et on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de béton. De bois, pardon. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de libre. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et après tout ici, on met des blocs. Voilà, qui vont bien. Et là, pareil, ben, on reprend ce qu'il y a de l'autre côté aussi. Hop. Hop, voilà, on colle à la verrière. Et du coup, sur le côté, on laisse deux blocs ici de marche pour avoir un étang. Non, pas du tout, une fenêtre. Voilà. Donc du coup, voilà, les fenêtres, du coup, on va les monter. Le mur, pardon, on va les monter jusqu'au plafond. Tu vois, un par un. Pouf. Pouf. Et pouf, voilà, et on fait ça sur toute la longueur. Du coup, vous remarquez peut-être un truc, c'est que du coup, à l'intérieur du bâtiment, on a de la terre au niveau du plafond, ce qui n'est pas très joli. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir mettre voilà, des demi-blocs de quartz collés contre le plafond, comme ça. Voilà, et ce sur toute la surface de la maison pour camoufler voilà, la terre qui est au niveau du plafond. Et l'idée c'est qu'on va faire ça sur toute la surface de la maison. Voilà, là je suis en train de les mettre un petit peu. Hop, voilà, on va faire ça sur toute la surface. Paf ! Voilà ce que ça donne. Alors du coup maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être mettre aussi les fenêtres, hein, parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir du courant d'air dans notre baraque, avec tous les trous qu'il y a. Vous voyez, même au niveau du premier étage et tout. L'idée c'est qu'on va tout simplement, voilà, vitrer comme ça, avec des vitres fines comme ça, paf paf paf, mettre des vitres à la place de tout l'espace qu'il y a entre les murs, évidemment. Voilà, comme ça, ici, donc la même chose là-bas, là-bas, là-bas. L'idée, c'est qu'on va juste rajouter au niveau des entrées ici, vous voyez, donc là, c'est une entrée. On va juste mettre la vitre sur les côtés et on va laisser la place pour pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment quand même. Paf, ici, comme ça, vous voyez, donc on a laissé la place. On fera la même chose de l'autre côté là-bas. Et ici, du coup, pour arriver sur cette terrasse-là, on va juste mettre des blocs de vitre à ce niveau-là. Ok, donc tout le reste, donc ici, hop, de l'autre côté pareil, sur tous les trous à ce niveau-là, là-bas, là-bas, on va tout vitrer, et à l'étage du dessous aussi pareil. Ok, une fois qu'on a mis nos vitres un peu partout, on va mettre sur notre terrasse surélevée à ce niveau-là, les vitres, voilà, ici, sur le côté, pour éviter de tomber, en fait, pour faire un semblant minimum de... comment ça s'appelle, de vitre, de barrière, voilà, de barrière, pour éviter aux gens de tomber, ce qui serait pas mal. Du coup, j'ai oublié au niveau du toit aussi, on va mettre de la poudre d'os au niveau de bah, là où il y a de la verdure, quand même. Hop, voilà, l'idée c'est qu'on va mettre de la poudre d'os vraiment partout pour éviter d'avoir le moindre trou, histoire d'avoir quelque chose de compact, d'homogène. Vous voyez, moi je lâche des termes, tu vois, hop. Comme ça, et donc tous les trous comme ça de verdure qu'on peut avoir dans le toit, hop, on fout de la poudre d'os partout. Alors on va aussi, vraiment pour en finir avec le toit cette fois-ci, mettre du tapis par-dessus les demi-blocs et le béton, parce que vous voyez que les demi-blocs de quartz, le béton et la terre sont tous sur le même plan, et donc du coup il y en a qui pourraient dire connexion de texture, tu vois, les mauvais diront connexion de texture, mais pour éviter, voilà, ces connexions de texture là, on va mettre, voilà, des tapis. Comme ça, il y a une petite marge de hauteur entre cette surface là qui va venir couvrir vraiment les demi-blocs et le béton, et l'herbe, en fait, le reste du toit. Et donc voilà, on va faire ça comme ça, paf, en évitant les tapis qui se mettent les uns sur les autres. Et on va recouvrir toute la partie du toit comme ça, qui est recouverte par le béton et les demi-blocs. Ok, donc voilà ce que ça donne, c'est plus propre, c'est plus propre, donc voilà, c'est ça qu'on cherche. Alors, maintenant on va vraiment faire au niveau du sol les choses, vous voyez. Donc l'idée c'est qu'on va venir prendre des demi-blocs de bois de bouleau. Alors l'idée c'est qu'on va faire la piscine, hein, voilà, donc on va le faire en demi-bloc de bois de bouleau. On va prendre comme repère notre bloc ici, enfin notre ligne de bloc à ce niveau-là de 2 quartz. On va venir prolonger la ligne au niveau du sol. Et hop, on va venir, alors, mettre jusque là, c'est-à-dire jusque dans le croisement avec la ligne de demi-bloc qu'il y a à ce niveau-là, donc vraiment l'extrémité de la maison avec l'autre extrémité de la maison là-bas, on les croise et on a ce bloc-là du coup.
Ok, et donc à partir de ce bloc là, on va venir compter 16 blocs dans ce sens là. Ok, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord. Et là, ça va être la largeur de la piscine que l'on va faire directement sur, sur le dessous de la maison. Donc voilà, on va la prolonger en fait exactement de la même longueur que la partie de la maison là-bas. Ok. Donc, hop, jusque... Alors ici, plus 1 avec les demi-blocs, parfait. Donc voilà, on va aller faire notre rectangle de 16 par 32 du coup. Donc un 16 blocs ici sur 32 de longueur. Parce que on avait 30 blocs de longueur sur cette partie-là de la maison. Plus les demi-blocs qu'il y a de chaque côté, ça fait 32. Donc voilà. Maintenant l'idée c'est qu'on va venir boucher ici notre rectangle de demi-blocs. Hop. Hop, ici comme ça. Et on va venir mettre une double couche, c'est-à-dire qu'on va venir mettre une autre ligne de blocs, de demi-blocs à l'intérieur, ici comme ça, paf, et ce sur tous les côtés. Et donc on a une piscine plutôt volumineuse, hein, parce que tout le reste au niveau de l'intérieur va être la piscine en elle-même. Alors, je vous invite à prendre vos blocs de laine bleue ou peu importe le bloc que vous voulez. En fait, l'idée, c'est de prendre le bloc qui va tapisser le fond de la piscine. Moi, je prends de la laine bleue. Vous pouvez prendre autre chose, bien évidemment. Faites comme vous voulez. L'idée, c'est que voilà, on va venir creuser dans la piscine. Ah ouais, allez, deux blocs de profondeur. Donc, trois blocs pour mettre le bloc du fond, évidemment. Mais l'idée, voilà, on va mettre deux blocs de profondeur sur toute la longueur. Et du coup, on peut aussi rajouter le fond, voilà, enlever le fond encore pour mettre de la laine bleue, par exemple, hein, sur toute la surface de la piscine. On peut rajouter aussi les murs de la piscine au niveau de l'intérieur à ce niveau-là et les faire en bloc de bouleau, ici comme ça, évidemment. Hop, voilà, et donc on fait ça sur toute la longueur. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir... mettre un petit truc, rajouter un truc, c'est-à-dire que vous voyez pour l'instant, la partie de la maison ici, elle flotte dans les airs. L'idée, c'est qu'on va venir mettre un pilier à l'intérieur de la piscine à ce niveau-là, vous voyez, pouf, comme ça, donc à deux blocs de hauteur. Et on va venir, peut-être même d'ailleurs, un peu plus au milieu de la piscine, ça serait sympa, un peu plus de ce côté-là même. Alors attends, je sais pas, le milieu ici, c'est le milieu ça? Ouais. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va mettre les escaliers en quartz par-dessus ces blocs-là, puisque là, on a mis deux blocs pour atteindre le fond de la piscine. Et par-dessus ça, hop, 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 on va pouvoir mettre des piliers comme ça qui vont soutenir la maison, qui vont partir de part et d'autre de notre pilier qu'on a mis dans la piscine. Hop, hop, hop. Voilà. Ce qui est pas mal, on va pas se mentir, moi j'aime bien. Donc du coup maintenant on va juste rajouter vraiment des finitions, parce que là vraiment la maison est terminée, il y a juste les finitions à faire, et ça va vraiment pas être quelque chose de très compliqué. Du coup ce que je vous invite à prendre c'est les blocs de cylindre, c'est-à-dire les blocs de prise marine, pas du tout, les blocs lumineux qu'il y a dans l'eau flotte, je sais plus comment on dit ça en français, et on va mettre voilà des blocs comme ça, tous les 3-4 blocs. Enfin bon, là c'est pas tous les 3-4 blocs que j'ai mis, j'ai mis tous les 7 blocs. Voilà, vous pouvez mettre peu importe la distance qu'on met entre chaque, hein, l'idée c'est d'avoir des blocs comme ça, hop, qui mettent un peu d'éclairage pour la nuit. Évidemment, vous pouvez en rajouter aussi si ça vous intéresse. Et donc tout le reste, eh bien on va le mettre en magasin, pas du tout, le mettre avec de la flotte. Quand je sais pas quoi dire, je dis ce qui me passe par la tête, c'est jamais très intéressant, je vous avoue. Ouais. Alors, hop, ici comme ça, voilà. Donc on remplit de flotte toute la surface de notre piscine. Quand je disais que la maison était presque terminée, j'avais oublié évidemment qu'il y avait là l'escalier central Ultralux à faire, évidemment. Donc ça, on va le faire juste après. L'idée, c'est qu'on va venir prendre les blocs de bois et on va venir faire une espèce d'énorme terrasse entre la piscine et cette partie là de la maison. Donc on va venir prendre ce bloc là en bloc de repère, on va venir un bloc par derrière, ok, et donc tout sur la ligne ici, puis la même chose de l'autre côté, c'est à dire qu'on va prendre ce bloc là, on va venir un bloc derrière et on fait toute une ligne ici, hop.
Oui, donc entre les deux lignes que j'ai faites, là creuse dans le sol, l'idée c'est que par-dessous la verrière et tout le reste, on va le mettre en bois. On va mettre du bois partout à ce niveau-là. D'accord? On va juste mettre deux blocs d'espace à ce niveau-là par rapport à l'entrée ici et mettre une ligne de blocs de verdure quand même pour mettre des fleurs et tout ça. Donc on fera ça tout à l'heure. Et donc voilà, on laisse juste cette bande de verdure ici. Maintenant, voilà, on va faire l'escalier. Ah! Voilà quelque chose de luxueux qui nous intéresse. Donc l'escalier, on va le faire en sorte qu'il parte d'ici, ok, qu'il va coller à la vitre et qu'il va se rejoindre au niveau du deuxième étage. Donc l'idée, c'est qu'on va venir hop, à ce niveau-là et on va coller les blocs, les demi-blocs de quartz directement à notre verrière à ce niveau-là. Et on va les coller deux par deux, c'est-à-dire on va venir mettre deux à la même hauteur, puis après juste les deux autres au cran du dessus. Comme ça, vous voyez, donc deux ici, on enlève, on monte d'un cran, on en met deux, on monte d'un cran, on en met deux, etc., etc. Et normalement, si vos dimensions sont bonnes, que vous avez bien fait l'escalier, eh bien, vous devriez arriver à hauteur, vous voyez, à ce niveau-là, pile à ce niveau-là de la maison. Ok ? Donc à ce niveau-là, du coup, on enlève les blocs de la verrière ici comme ça. Hop, évidemment ceux dans le sol aussi, et on va les remplacer par des blocs de quartz, hein, tout simplement, pour pouvoir... alors non, sauf ici, ok. Là, on va garder notre verrière quand même. Et donc, ici, ce sera l'entrée du deuxième étage, très bien. Et donc, on a notre escalier qui fait un rond comme ça. L'idée, c'est que maintenant qu'on a notre escalier dessiné, on va juste l'épaissir, on va rajouter des marches plus grandes, hein, tout simplement. Voilà. Hop, évidemment, comme il y a des marches en diagonale, bah faut mettre aussi les marches en diagonale à ce niveau-là aussi. Paf, hop, ok. Et donc on a une, on va essayer d'avoir un escalier avec des formes sympas, un truc un peu comme ça peut-être. Et l'idée c'est que c'est la rambarde de cet escalier qui va faire ultra luxe. Je t'explique. On va venir prendre des demi-blocs de bois de sapin comme ça. C'est du bois de sapin, oui c'est ça. Et on va les coller directement à nos demi-blocs ici comme ça pour faire une rambarde. Sauf que on va aussi les prolonger. On va prolonger un peu la forme parce que regardez, en vue du dessus, ça nous fait un peu une forme de crochet comme ça. Et bien l'idée c'est qu'on va venir prolonger cette forme là pour qu'elle enroule complètement le sol de notre verrière. Ça va faire un truc un peu classe, c'est-à-dire on va faire un truc comme ça par exemple. Pouf. Pouf, 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 et on va venir coller tout le reste, hop, de la verrière au niveau, j'arrive pas à choper le bloc de là-bas, si ça y est, hop, et voilà, on va mettre une ouverture comme ça. Alors faut quand même avoir la place pour monter sur l'escalier, donc là j'ai mis peut-être un petit peu trop proéminent, on va t'en dire, hop, donc on va essayer de faire une forme sympa. Voilà. Est-ce que là, c'est une forme sympa? Plus ou moins. Voilà. Quand on regarde du dessus, ça fait une espèce de crochet comme ça. Ça peut être assez sympa. Ok. Donc là, on a notre forme de rambarde d'escalier, ce qui est plutôt pas mal. Qui s'enroule un peu en forme d'escargot. Et maintenant, on va l'épaissir parce qu'on a... Voilà. On a juste un bloc comme ça. Ça fait pas très rambarde. Donc, on va essayer d'épaissir comme ça. Enfin, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va réussir parce que c'est pas particulièrement compliqué non plus. Et on va affiner un peu la forme de notre rambarde comme ça. Vous voyez, paf, je peux pas la mettre ici. Très bien. Pouf, pouf, voilà par exemple. Et vous voyez qu'on a une rambarde qui commence à devenir beaucoup plus sympa. Hop, je vais essayer de... Voilà. Ok, on essaie d'affiner un peu la forme. Ouais, ça rend plutôt mal. Pas mal, pardon. Maintenant, on va creuser dans la partie de la verrière ici au niveau du sol. Alors moi, j'ai mis deux blocs de couches de bois, mais évidemment, vous pouvez n'en mettre qu'une seule. Hop. Hop, moi, j'ai que du bois partout. Normalement, vous avez de la terre en dessous. Hein. Voilà, à partir de ce niveau-là, du coup, on va... enlever aussi les blocs qui sont en dessous de nos morceaux de bois à ce niveau-là. Hop, alors sauf ici peut-être.
Hop, voilà. Donc sur tous les demi-blocs qu'on a ici, on va, hop, voilà, rajouter des blocs en dessous pour que ça soit plus joli. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, on a toute une ouverture qui va nous permettre de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc on va mettre une espèce d'île, par exemple, à ce niveau-là. Alors je vais enlever vite fait le bois que j'ai mis ici. Voilà, donc normalement vous avez ça. Et l'idée, c'est qu'on va venir mettre une sorte de petite île de verdure à ce niveau-là. On va faire un water feature, vous voyez, à peu près au niveau du centre, comme ça, qui n'est pas régulière non plus. Et sur tout le reste, on va mettre de l'eau. Ok, donc de la flotte. Hop. Alors, en évitant les courants quand même. Ok, donc l'idée, c'est qu'on va venir aussi rajouter des blocs lumineux, donc de 6 lanternes. Alors, je sais pas comment on dit ça, les lanternes de la mer, peut-être en français, je ne sais pas. Hop, donc voilà, dans l'eau, pour que ce soit plus joli pendant la nuit. Ok. Et une fois qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on va venir mettre de la canne à sucre. Oui, carrément, de la canne à sucre sur l'île. Ok, donc ici, là, par exemple, et de la faire monter très 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 haut, parce qu'on a la place, vous voyez, au niveau de notre verrière ici, de la faire monter vraiment assez haut, pouf, pas trop trop haut non plus, parce qu'on va mettre d'autres choses au niveau du plafond, mais vous voyez que là, ça rend, enfin, dès que tu entres dans notre escalier ici, paf, quoi, toi, ça te pète à la tronche, c'est joli, moi j'aime bien. Alors l'idée, c'est qu'on va pas s'en, on va pas se faire que ça non plus, on va mettre... Si je les ai passés, on va mettre des roses, on va mettre des rosiers de 2 blocs de hauteur, des fleurs, des nénuphars, pour que ça soit plus joli. Vous voyez, paf, paf, des roses comme ça, hop, ici, on en met plein, on met de la fleur bleue aussi, hop, à l'intérieur, magnifique. Ok, une fois qu'on a ça aussi, on va rajouter les lilipads, donc des nénuphars sur l'eau. Paf, paf, paf. Parce que voilà, ça fait joli. Et il n'y a plus beaucoup de place après sur notre water feature. Donc du coup, maintenant, on va rajouter des end rods, ok. Des end rods avec des blocs de quartz, des piliers de blocs de quartz, ok. Et on va les coller au plafond. Donc comme c'est un plafond en verre, ça sera encore plus la classe. On va venir les mettre au-dessus de notre escalier, puisque bon, c'est quand même ça qu'il faut éclairer. Et on va les mettre, genre ici aussi par exemple, paf, paf, et voilà, à ce niveau-là, paf, paf. Un peu en forme de croissant comme ça, alors faut faire une sorte de joli, joli machin. Ok, et on va venir mettre des blocs de... quartz en dessous pour faire des faux lustres en fait. Vous voyez, quand on est au sol comme ça, ça rend la classe. C'est un truc de fou. Voilà. Là, c'est un escalier qui est luxe. Ça, ça fait plaisir. Honnêtement. Hop. Voilà. Là, ça, c'est l'escalier du luxe. Hop, donc une fois qu'on a fait notre escalier ici, comme ça, on va vraiment faire les petites finitions, définitions. C'est-à-dire qu'on va venir prendre. Nos blocs de diorite par exemple, parce que c'est un bloc qu'on n'utilise pas souvent, avec des enclumes et des feuilles. Ok, et on va venir mettre nos blocs de diorite comme ça par devant notre piscine, genre sur 2-3 blocs, et on va venir les prolonger comme ça jusqu'ici en laissant 5-6 blocs de marge par rapport à notre maison. De l'autre côté, la même chose, on prend le côté de la maison comme ça, on le prolonge. Hop, sur jusqu'au côté de la piscine. Très bien. Et donc ici, vous voyez, on a une bande d'herbe. On a une bande d'herbe à ce niveau-là, ici aussi. Et on a une bande d'herbe ici. Bah, donc l'idée, c'est de faire exactement comme on a fait pour notre escalier. C'est-à-dire, on va mettre des fleurs à ce niveau-là. Voilà. Hop. Pouf, pouf. Et rajouter aussi des fleurs bleues. À ce niveau-là, par exemple. Ok, et on va aussi du coup rajouter des enclumes, par exemple, pouf, tous les deux blocs, paf, et on va rajouter des feuilles par-dessus pour faire un peu une haie, vous voyez, pouf, 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 pouf,
Magnifique. Alors l'idée c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté de la maison, c'est-à-dire on va prendre les enclumes. Pouf, 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 pouf. Et on va mettre aussi, hop, des feuilles par-dessus. Et du coup, on va faire la même chose sur le côté de la piscine là-bas pour avoir un peu moins de vis-à-vis que la piscine ne fait. Sauf que ici, on va les faire plutôt avec deux blocs d'écart entre les enclumes. Ce sera plus sympa, je pense. Ça fera moins étouffant, on va dire. Hop, hop, vous voyez. Et puis voilà. On a une jolie maison, une jolie villa de luxe, comme tu peux le voir, sur Minecraft, et ça, ça fait plaisir. Alors du coup, j'ai fait aussi quelques petits aménagements vite fait au niveau de la terrasse. Hop. Vous voyez, ici, là, par exemple, j'ai fait une table qui est ouverte sur le centre avec de la fleur qui passe au travers. Donc ça, c'est pas mal. Avec voilà, de la vitre à l'intérieur de la table aussi, qui est et des blocs lumineux en dessous. Donc là, les blocs que vous avez en dessous, c'est des blocs qui font de la lumière. Du coup, c'est encore mieux pendant la nuit. Et voilà, faire une rangée de sièges avec des dossiers en porte. Mais de chaque côté de la table, il n'y a pas les mêmes dossiers de porte. Vous voyez, là, ce sont des portes dark, donc des portes sombres. Et ici, ce sont vraiment des portes de bouleau pour avoir voilà, d'un côté à l'autre de la pièce, quelque chose de différent. Donc voilà, une table plutôt sympatoche. Au niveau de la terrasse, pareil, des petits bronzates. Avec une de ta table avec des tapis au-dessus des demi-blocs. Ça rend bien, ça rend design, on va dire. Donc c'est cool. Et puis voilà, on en a fini pour cette grande maison. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais vous avez voilà, envie. Je rappelle du coup, on est en train de faire... Enfin, vous pouvez laisser aussi ce que vous voulez... voir comme tutoriel dans la description de la vidéo, pas du tout dans les commentaires, dire ce que vous voulez voir dans les commentaires, et du coup bah voilà, je vous remontre ce qui avait bien marché la semaine dernière sur la chaîne, hein, des fontaines comme ça, que je vous montre comment les faire. Il y aura la piscine probablement la prochaine fois. Voilà, j'ai plein de vidéos d'avance, donc normalement ça va revenir. Voilà, sur ce, très bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine.